Hana Mandlíková is a beautiful representative of the Czech school, already famous for producing so many tennis champions. Ici donc Roland Garros, vous arrivez pour la fin de ce quart de finale du simple dames qui oppose l'Australienne Turnbull, qui est au service actuellement, à la Tchèque Mandlíková. En effet, l'Australienne Turnbull a gagné le premier set par 6-3. Dans le deuxième set, elle mène par 5-2, 40 à sur son service. Donc en principe, dans quelques secondes, la fin de cette rencontre féminine, bien que Pierre Darmon en tennis, on ne sait jamais. Chris Evert-Lloyd ne gagnera pas 5 fois Roland-Garros, du moins pas cette année. Hana Mandlíková a dominé l'américaine et séduit le public de Roland-Garros. Un joli toucher de balle pour Mandlíková, un joli tennis, un jeu offensif qui a eu raison de l'expérience de Chris Evert. 6-4 au premier set. Et une Tchécoslovaque qui court beaucoup, qui se bat sur toutes les balles et qui gagne les points. ...7-5 au deuxième pour cette ancienne championne du monde junior. Mandlíková a pris sa revanche sur Evert, qui l'avait éliminé en demi-finale l'an dernier. That's the way she won at Roland Garros in 1981, a year when the draw included just about all of the world's best players.
7, match. Well, a lot of emotion because, you know, when there was very important points, there was a problem with you. Quand il y avait des points importants, il y a eu quelques problèmes. Yeah, it's very difficult because I never beat Tracy and she always was very close in matches and I always lost, so I get a little nervous when I get the match points. Avec beaucoup de chance, Mandlikova, elle s'était mise elle-même dans une situation difficile. Et elle mène deux jeux. Voilà, et l'information donnée par Jean-Michel Lelio s'avère juste. Et Anna Mandlikova quitte le court pour quelques instants. Vraisemblablement pour 3 minutes, comme le règlement le lui autorise. Chris songeuse. On se retrouve dans le 9e jeu. Mandlikova mène 5-3, 15-0. Regardez, rien à dire. .40, 3 balles de 7. Et voilà, la balle est bonne. 6-3 en 32 minutes. C'est écrit dessus. C'est fini, score final 3-6, 6-2, 6-2. Une bien belle rencontre. Mais Martina revient de loin. Advance onto the semi-finals of the French Open. Effie for 25 in a row, meaning matches. I wonder whether Steffi will have the slightest little bit of nerves now in this game serving for the match. She still played a good point time. Was a good shot. And we're at match point. Steffi Graf, the winner, 25th in the row, and advance on to meet the winner of the Everett Lloyd Bassett match. Foot! Up this time, deuce. 40. Yep. Yeah, how about this? Now break point to make it 5-all. Avantage, Mademoiselle Mandlikova. Wow. 5-all. One match point goes by the boards.
Mandlikova, former French Open winner, defending U.S. champion, still in the match. Steffi to serve at 3-6. There it is. Well, folks, 6-2 in the first, serving for the match in second. We're going to a third set. C'est le point gagnant, effectivement. Victoire très surprenante d'Anna Mandlikova qui bat la grande favorite de ce tournoi de Roland-Garros, la jeune Allemande de l'Ouest, Steffi Graf, qui doit être bien déçue. Elle a totalement manqué sa partie. Elle n'a pas tenu le choc nerveusement.